Coucou les enfants! Aujourd'hui, je vais vous lire Petit loup fait une colère. Aujourd'hui, maman va au parc avec Petit loup et Babylou. On peut emmener le goûter? Demande Petit loup, ravi. Bien sûr, répond maman. Youpi! Font les louveteaux. Dans le parc, maman se dirige vers la mare. Petit loup jette du pain au canard, mais il en a vite assez. « On peut aller jouer maintenant ?» demande-t-il. « Si tu veux, » dit maman. Au jeu, il y a beaucoup de monde. Petit loup n'est pas content. « Je ne peux même pas monter sur le toboggan » grogne-t-il. « Ça m'énerve !»« Et si tu faisais du tourniquet ?» suggère maman. « J'ai pas envie !» répond Petit loup. Et il reste boudé sur le banc. Babylou, elle, s'amuse beaucoup. « En attendant que le toboggan soit libre, tu peux jouer avec ta petite sœur, » propose maman. « Le bac à sable, c'est pour les bébés, » ronchonne Petit loup. Et il boude encore plus fort. De retour à la maison, Petit loup veut entrer le premier. Mais Babylou est devant, alors il la pousse un grand coup pour passer. Babylou tombe par terre, elle se met à pleurer. « Oh, le bébé !» se moque Petit loup. Cette fois, maman est fâchée. « Petit loup, ça suffit maintenant » gronde-t-elle. « Si tu es de mauvaise humeur, ce n'est pas de la faute de ta petite sœur. Tu vas aller t'asseoir dans le salon pour te calmer. Non » hurle Petit loup. Maman installe Petit loup dans le salon. « Tu as le droit d'être fâchée » explique-t-elle. « Mais pas de hurler ou de pousser les autres. » Puis elle tend à Petit loup un drôle de coussin. « C'est un coussin colère. Tu peux taper sur lui » ou le jeter par terre. Il est là pour ça. Elle quitte la pièce. Après un moment, Petit loup revient voir maman et Babylou. « Je suis calmée, » dit-il. « On peut aller jouer dans le bain maintenant ?»« D'abord, je crois que tu as quelque chose à dire à ta petite sœur, » répond maman. Petit loup hésite. Et puis... Il se tourne vers Babylou et lui fait un énorme câlin. « Pardon, je ne voulais pas te faire pleurer, » dit-il. « Pour me faire pardonner, dans le bain, je serai un gentil requin. »« Oui !» crie Babylou, ravi. Cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes histoires. Et je vous dis à bientôt sur Picnic Douille.